Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Simulacrim, mais tout avant, désolé du bruit extérieur. Avant, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à suivre tout ce qui est dans la description. Donc voilà, donc à l'heure où je vous fais la vidéo, d'accord, à la semaine où je vous fais la vidéo. De toute façon, vous êtes au courant, je vous ai mis sur Discord un message comme quoi la vidéo qui devait sortir, c'était la vidéo pour les animaux. Malheureusement, elle a foiré. Au bout de 17 minutes, plus rien, alors qu'elle en durait 37 minutes. Du coup, j'ai dû la supprimer. Maintenant, la semaine prochaine, vous avez une autre vidéo qui va arriver sur... qui est aussi de simagrie, hein. Je parle de simagrie pour côté des animaux et le côté matériel vous aurez pour la semaine prochaine en vidéo. Si tout va bien, si celle-ci aussi elle foire, et ben je referai ces vidéos et elles seront publiées dans les semaines suivantes qui vont arriver. Ça, je verrai bien samedi pour moi pour le montage de la vidéo pour l'achat du matériel et des conseils dessus. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve, donc comme je dis sur simagrie, et aujourd'hui on va vous parler des parcelles. Alors il faut savoir un truc, les vidéos je les avais fait en avance, d'accord. Donc du coup, ce qui est ce qui est mon ancien compte, je l'ai désactivé, j'ai refait un compte, je suis parti sur un autre type d'animaux, etc. etc. pour avoir du lait, etc. pas mal de choses, d'accord. Mais c'est pas mon but premier. Déjà, donc on va passer. Donc à ce sujet des parcelles. Donc il faut savoir que Simagri, un mois dure une semaine, d'accord? Donc là on est au mois d'août, comme vous le voyez, d'accord? On est en période d'été, d'accord? Et je vais vous montrer, vous inquiétez pas, je vais vous montrer pour la culture, etc. Parce que c'est pour savoir pour les parcelles qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui, comment. Alors, je sais pas comment vous dire, mais pour savoir quelles plantes vous allez mettre dans votre champ, etc. D'accord? Donc on va déjà aller dans mes parcelles. D'accord? Donc voilà, ça charge. Voilà. Donc j'ai, oui, j'avais déjà une culture, mais j'ai enlevé. Mais bon, je vais remonter. Alors comment choisir une culture, donc vous choisissez le champ que vous voulez, d'accord. Bon, là elle est en herbe, mais là ça va être en attente de finir de pousser. Et après, je faucherai, j'endainerai. Ça sera pour mes chèvres. Oui, je fais les chèvres. Voilà. Donc, on va prendre le terrain de 7 hectares que j'ai. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà là. Alors, le fumier, j'en ai pas assez parce que j'ai pas assez de PA comme vous voyez. Donc, du coup, je referai demain des voyages pour mettre du fumier dans mon champ, d'accord. Donc comment choisir son type de culture. Donc ici il travaille dans cette parcelle, d'accord, avec le type de culture traditionnelle, d'accord. Vous pouvez choisir le type vous pouvez choisir le type choisir Je vais relire, ne vous inquiétez pas. C'est un peu dur de reprendre les vidéos après une semaine. Bah, pas une semaine, mais là, je refais la vidéo. Mais oh, voilà. Donc, changer de technique culturelle, transformée en verger. Voilà. Donc, si vous voulez, vous cliquez ici. Et ici, vous avez choisi le type de culturel. Donc, traditionnel, TCS ou semi-direct. Vous avez l'étoile. Moi, je reste en traditionnel. Donc, voilà. Donc hop, je choisis. Et là, ce qui est bien, c'est que ici, ça, c'est toutes les tâches qu'il faudra faire. Donc après, c'est petit à petit. Donc là, en premier, il faudra que je déchaume. Donc comme j'ai pas assez de PA, je redéchaumerai, il n'y a pas de souci. Là, donc là, je coche juste. Voilà. Et après, je choisis mon matériel, mon machin. Donc voilà, oui, j'ai pas les mêmes matériels, etc. Bref. Mais je peux faire appel à une entreprise extérieure, il n'y a pas de souci, comme je vous ai dit. Donc, si c'est coché et que vous l'avez fait, je crois qu'il y a une date. Il y a la date la date qui est ici, hein, pas la date qu'on est aujourd'hui, on est le 7, hein, pour le 7 avril. Ça sera la date d'ici que j'ai fait mon
qui va se mettre ici, que j'ai fait mon déchaumage, que j'ai déchaumé. Je peux déchaumer, cultiver. Et là, vous pouvez pendre, fumier, lisier, ce que vous voulez. Voilà, labourer, RC, rotative, machin. Ça, je le ferai par une entreprise que je n'ai pas les sous, parce qu'il me reste une presse à acheter. Je vais voir pour voir le banquier, vous inquiétez pas. Bref, j'ai acheté presque tout le matériel. Il me manque juste ça. La moissonneuse, bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça viendra pour plus tard. Donc, là voilà. Donc, tout ce qui est en gris, là vous voyez, quand je mets mon curseur là, ça me met interdit. Parce que tant. Alors, pourquoi ça me met interdit? Parce que tant que j'ai pas déchaumé mon champ, ou cultivé, ou passé mon cultivateur dans mon champ, ça ne sera pas débloqué. D'accord? Ça sera pas débloqué. Dès qu'une fois j'ai fait ça, ça va rester coché, d'accord, avec la date que j'ai fait. Et après, ça va décocher certaines autres cases. Donc là, ça va être l'épandage, d'engrais, écume, voilà. Après, vous choisissez ce que vous voulez épandre, d'accord. Et après, dès que ça c'est bon, et ben ça va se débloquer pour faire de la labour. Pareil pour le herçage, d'accord. Pour hercer, passer la herse rotative ou herse normale. Pour choisir la culture, vous faites choix de culture, d'accord. Alors par défaut, il vous met les cultures que vous pouvez planter à cette période, parce qu'il faut savoir que vous avez une période de semis entre tel mois et tel mois, une période de récolte entre tel mois et tel mois, d'accord? Donc là, forcément, août, mars, juin, août, bah voilà. Donc comme on est au mois d'août, donc comme là on est au mois d'août, d'accord, on est le 3 août, je resélectionne. Au mois d'août, bah, je peux semer du colza. Il me propose de semer du colza pour ce mois-ci, des épinards, des haricots verts, du précimi, je sais pas ce que c'est, en août. Et là vous avez les périodes de semis, enfin les mois de semis, et là les mois de récolte. Et là vous avez la rotation. La rotation, là le colza, je peux faire sur 2 ans. D'accord? Et après je choisis si je vais faire ça ou pas. Donc c'est sur 2 ans. Il y en a certains, comme celui-là. Je ne sais pas ce que c'est vraiment. Il n'y a rien de marqué parce que c'est un peu comme l'herbe, d'accord? L'herbe, une fois que vous l'avez plantée, eh ben vous pouvez la récolter tous les ans de ProDriver. Si maigri, désolé, j'étais sur ProDriver tout à l'heure. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de semer ce qui vous affiche par défaut en fonction du mois où vous êtes, d'accord, vous pouvez semer les autres cultures. Eh oui! Sauf que la différence, c'est que vous ne pouvez pas les semer tout de suite. Vous ne pourrez pas les semer au mois d'août, comme là. Il faudra attendre le mois tel. Alors moi, je prends l'exemple de ce que je voulais semer. Alors, vous avez pas que ça. Hein. Vous avez, là, c'était les cultures possibles à semer à ce mois-ci, dans cette parcelle, d'accord? Voir les autres cultures possibles à semer à un autre mois, dans cette parcelle. Voilà, ça, voilà. Ou voir les cultures impossibles à semer dans cette parcelle. Donc voilà, si je fais ça, bim, ça me met, hein, betterave, machin, lentilles, la chambre industrielle, bref, voilà, d'accord. Vous voyez, il y a 4 ans, 3 ans, 6 ans, et là c'est définitif. Une fois que c'est semé, bah, c'est récolté tout le temps. Après, si vous voulez plus cette culture, si vous voulez plus cette culture, j'en sais rien, au bout de 2 ans de simagrie, vous pouvez la détruire et retravailler votre champ pour mettre une autre type de culture. Donc voilà. Donc voilà. Alors oui, vous pouvez semer d'autres choses. Donc moi je vais faire ça. Désolé, hein, les bruits d'extérieur. Donc moi je ne veux pas semer ce qu'il me dit. Ce que je peux semer moi ce mois-ci. Moi je vais semer d'autres cultures. Et moi, je sais, je vais remettre ce que je vais semer, d'accord? Ok. Sur mon champ de 5 hectares, vous savez que je vais semer ça. Donc, on est en août, donc octobre, ce sera la semaine prochaine que je vais semer mon blé, d'accord? Je peux semer entre octobre et novembre. Et je récolte en juillet et août, voilà. Donc, c'est sur 1 an. Donc, au bout d'un an, ben, soit je. Ben, après, moi, je vais faire de la variation de culture. Ça veut dire qu'à la place du blé. Sur mon champ, il y aura de l'orge, il y aura d'autres types de cultures. Je verrai en fonction. Il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc. Donc, moi, je ne vais pas sélectionner tout de suite, mais je vais vous montrer après. Vous pouvez
Si vous voulez pas attendre tel mois pour replanter du blé ou de l'orge, d'accord, vous pouvez faire à la suite. Ça veut dire que, quand je dis à la suite, ça veut dire que si admettons j'ai planté du blé, d'accord, je l'ai récolté entre juillet et août, d'accord, j'essaye de voir si je peux ressemer tout de suite entre 2 semaines, donc 2 semaines de par chez nous qui considère 2 mois, d'accord, juillet et août, et juillet et août va correspondre à une date de semis. Donc juillet je peux planter du régras italien ou j'avais dit quoi, on avait dit le blé, il est où le blé, et en août qu'est-ce que je peux mettre, ben, en août il n'y a rien, voilà, mais je peux mettre voilà, en juillet je peux mettre ça, voilà, c'est voilà. Après, sinon, vous pouvez attendre octobre. Par exemple, octobre, vous vous dites, bah tiens, je vais attendre 3 mois, et puis 3 mois, voilà, ou attendre, ouais, juillet, août, octobre, ben, je vais semer mon avoine d'hiver, mon avoine de printemps, sinon. Ben, après, c'est au mois de février. Après, vous pouvez attendre octobre. C'est comme vous voulez. Si vous voulez faire tout de suite à la suite, si vous voulez tout de suite replanter après la récolte, voilà. Et donc voilà. Donc ça vous pouvez faire. Donc moi je vais mettre je crois hiver, oui c'est celui-là, donc hiver, l'autre c'est en février, il faut planter. Donc je vais mettre ça. D'accord? Donc j'ai sélectionné ça, d'accord? Vous allez dire merde, pendant qu'on arrive tout doucement en période octobre, novembre, qui moi la semaine prochaine, d'accord? Je peux, en attendant d'arriver au mois d'octobre, qui est la semaine prochaine, je peux en attendant préparer mon sol. Voilà, préparer mon sol, faire déchaumer, épandre mes trucs, labourer, préparer mon sol pour accueillir ma culture dessus. D'accord? Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est pareil, si vous ne voulez pas attendre et que vous voulez replanter derrière, bah, si vous avez juste une semaine à attendre, ou 2 semaines, 3 semaines, correspond à 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'accord? Comme je vous ai dit, 1 mois égale une semaine, d'accord? Donc en attendant 1 mois de cimes agri, qui correspond à une semaine, vous pouvez préparer votre terrain, préparer votre parcelle pour replanter derrière. Voilà. J'espère que ça vous aurez compris. Après, vous pouvez faire du bio, du machin et tout. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc après, si vous voulez de l'eau, vous pouvez faire un forage et mettre des enrouleurs. Mais bon, les enrouleurs, c'est pas donné, j'ai vu. Et puis, il faut pouvoir les acheter des fois. Et oui. Mais moi, j'attends que ça pousse tranquillement avec l'eau de la pluie. Ça va être très bien. Ça ne me coûtera pas d'argent. Voilà. Parce que ça coûte de l'argent de forer, d'acheter un enrouleur, etc. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris cette petite vidéo sur Simagri côté culture. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je vous répondrai dès que j'aurai reçu la notif et dès que je serai dispo pour répondre. Donc voilà. Prochaine vidéo, ça va être Test Tool que je vais vous montrer. Je sais pas si je le fais avant ou après, mais je vais voir. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à demander, poser, etc. Voilà. Si j'ai pas parlé d'un truc, c'est pas grave. Peut-être je le reparlerai une autre fois ou je verrai. D'accord? Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis bye.